je vais faire un petit cours sur le solo de Before the Dawn de Judas Priest. C'est un solo intéressant parce que c'est un solo assez technique, mais il ne demande pas de grosses capacités en termes de vitesse, de sweeping, d'aller-retour à 200 bpm. Il n'y a pas de plan très compliqué à l'intérieur. Mais en fait, il faut faire sonner le solo avec différentes techniques, notamment les bends, les vibrés, les démanchés, le legato, le slide. Donc il y a vraiment beaucoup de techniques de guitare intéressantes à travailler dessus. C'est un solo court aussi, donc je pense que pour s'entraîner, c'est très très bien. Il n'y a pas énormément d'efforts à fournir en termes de mémorisation. Donc on va le décomposer. Donc il commence fort parce qu'il commence par un bend d'un ton en case 2 sur la corde de sol. Donc ça donne... Il faut aller chercher cette note-là. Alors là, on voit bien que en termes de prise, je suis obligé avec ma main gauche de faire la pince, de faire vraiment une belle grosse pince pour avoir suffisamment de force. Parce qu'évidemment, si je me mets le pouce derrière le manche, ça va être très compliqué d'atteindre le bend à la bonne hauteur de bend. Et ensuite, en termes de contrôle, on a beaucoup moins de facultés. Alors une fois qu'on atteint la note, il faut la faire vibrer 4 fois. Alors on fait 1, 2, 3, 4. Enfin, on atteint, ça fait 4 bends en fait, 4 bends d'affilée. 1, 2, 3, 4. Des bends d'un ton. Ensuite, on lâche la corde et il faut qu'elle sonne. Comme ça. Et ensuite, on fait la même chose à l'octave. Sauf qu'à l'octave, l'avantage c'est que c'est plus facile parce que voilà, il y a plus d'amplitude au niveau de la corde. Sauf que là, on va pas faire 4 bends d'un ton, on va faire 3 bends d'un ton. Et le dernier bend, on va le jouer très légèrement faux en dessous. Donc ça va être un 3 quarts de ton. Un 3 quarts de ton. Donc ça va faire... Voilà. Ça, c'est important. D'ailleurs, dans la musique, hein, on entend bien le Downing, on entend bien... Voilà, on entend bien que il y a 3 bends d'un ton et le quatrième il est très légèrement en dessous. Donc c'est pas forcément facile à faire sonner, il faut vraiment pas mal d'entraînement. Et ensuite, on s'entraîne déjà à faire des bends justes, c'est important. Et ensuite, on s'entraîne à faire le dernier bend très légèrement en dessous. Ensuite, donc ici un petit slide, on revient, les gâteaux aussi. Et au lieu de faire ça, on peut faire ça. Voilà, le mi on le place vraiment au fond du temps et on n'oublie pas de le faire vibrer. Donc je recommence. Voilà, et là, on glisse. Slide. Le petit doigt. On fait bien vibrer. Ensuite ça. Et pas ça. On n'oublie pas de décoller le petit doigt. Là c'est pareil, on fait vibrer. J'accentue bien, c'est pour bien que voilà, pour bien faire comprendre. Ici. Harmonique. Et surtout pas faire ça. Parce que ça c'est vraiment zéro, c'est un jeu vraiment trop trop plat. Voilà, alors mon majeur se déplace en fait sur le manche. Ensuite
on a une petite montée qui n'est pas très dure. Alors évidemment, je ne fais pas du un doigt par case ici. Je ne fais pas ça. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, donc là ici, on peut partir avec l'auriculaire, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va faire les trois premiers doigts. Comme ça, on peut faire un slide avec l'annulaire, arriver en case 15. Et on est bien placé pour le bend qui suit. D'un ton. Voilà, ici, il faut pas hésiter. Le bend ici dure très longtemps, donc on le monte pas d'un ton d'un seul coup. Et on le descend pas d'un seul coup non plus. On prend son temps. Donc je recommence. Ici, là. Il faut vraiment qu'il y ait un côté plaintif. On arrive en sol. Et puis après, on attaque la fin. Donc ici, j'aime bien mettre des petites harmoniques. Ça donne un petit peu de grain au dernier passage. Alors on va éviter de faire ça, c'est pas beau. Et puis à la fin, on peut rendre le truc un peu plus fluide. Et la dernière note, on la travaille bien aussi. Et voilà.